bonjour à tous. Donc là on est à Bétamont, un village là. On vient d'arriver, on est parti de Kamandou hier, passé 20h dans un bus. Et là on va à Taplejung là, c'est un peu plus loin. De là où commence notre trek pour arriver au pied des montagnes. À partir de Taplejung, on va faire un trek de 5 jours pour arriver dans la vallée du camp Shengjunga, pas loin du Janu, un village qui s'appelle Gunza. Et de là, on va faire notre camp de base, entre guillemets, pour pouvoir faire toutes nos ascensions, notamment le Bokto. Donc Rémi Isfilio, c'est un peu le papa de l'équipe, il a 34 ans, il est guide d'haute montagne et bosse à Chamonix. Elias, il a 27 ans, il est originaire de Paris et il travaille maintenant comme guide d'haute montagne à Chamonix. On s'est rencontrés il y a à peu près 5-6 ans via les équipes nationales de la FFME et à cette époque son surnom c'était déjà le Kurde, si bien que je peux pas trop vous dire d'où ça vient. En tout cas ce qui est sûr c'est que partout où il passe ça devient un peu une sorte de mascotte locale et vous allez sûrement vite vous en rendre compte. Ben, du coup, tous les trois, on avait envie de partir ensemble faire une jolie expédition. Donc on était à la recherche d'une phase plutôt technique dans un coin sauvage. L'idéal, c'était d'avoir une zone pas trop explorée et vraiment dans l'idéal un sommet vierge. Et le Bokto, ça avait l'avantage d'avoir toutes ces caractéristiques. Donc pour nous, c'était un peu le projet idéal. À partir de Taplejung, on a vu 4 jours de marche et de là, on a rejoint le village de Gunza. Gunza, c'est un petit village à 3500 mètres et ce village nous a servi de camp de base pour toute l'expédition. Je mets mes lunettes. C'est pas belle la vie? Et de là, en fait, on s'est acclimaté sur un col tout proche. Donc on a pris à peu près 4 à 5 jours pour s'acclimater. Alors là on est dans la chaîne Himalayenne, exactement à peu près aux alentours de 4000 mètres. Et... Et après, du coup, cette phase d'acclimatation, ça nous a permis de bien repérer la face, de voir comment la face, elle travaillait avec la neige, avec le soleil, etc. Et de bien repérer la ligne qu'on voulait faire. Si, il y a peut-être une goulotte où il y a de la glace, une grande cheminée qu'on voit là. Bah, on voit le Bokto là, c'est le sommet qui se découpe sur le ciel, là, derrière les nuages. Et, ouais, c'est celui-là le central. Et ça n'a pas la même gueule du tout que les photos qu'on a vues. Ça a l'air vachement plus neigeux là. Peut-être qu'il y a beaucoup neigeux aussi les jours précédents. Et la sortie a l'air expo en neige. Rémi, c'est expo la neige là-haut. Je me rends pas compte. Ouais, faut voir derrière, faut voir au fond. Faudra voir derrière et puis jumeler de toute façon. L'arête elle a l'air large au début. Hein. Ouais. Donc, mais bon, il y a du rocher quand même, donc c'est-à-dire que ça peut quand même. Ça doit suivre. Il y a une grosse goulotte. Tout plat. Ouais, avec le petit jeu, je vais pouvoir dormir ce soir bien au chaud. Quand t'es Jonathan Crison, dit le poney, il a 28 ans. On s'est rencontrés, on se connaît depuis quelques années déjà là. Ça fait. Ça fait 7 ans qu'on doit se connaître. On est passé ensemble par les équipes FFME. Et c'est un très très fort technicien. Très très fort technicien. Elias ? Oui ? T'es où ici ? Du Pocari.
Et qu'est-ce qu'il a de spécial cet endroit? Je l'ai déjà dit trois fois avec Eva. Il est ah merde, sacré. Mais tu me l'as pas dit à moi? Non, je l'ai pas dit à toi. Bon bah dis-le à moi alors. La musique, attends, c'est pas sacré, c'est du coup de la musique comme ça, c'est pas sacré. C'est un lac sacré. Ah, ça c'est blasphème. Putain, non, je trouve hyper, j'utilise hyper souvent. Bon bah là, on regarde tout alors. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait beaucoup pour une voix de mixte ou. Non, je trouve que t'as bien. Ça fait un peu beaucoup. Ouais, mais pour les cendres. C'est quoi Rémi ça? La prière. Les dés sont jetés. Voilà. attends. Ça, c'est pour que chaque trash soit égal. Quoi. Attends, il y a un sachet chocolat. Voilà. Comment on fait? On compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Rémi, cuir de poney. Bon, ça, c'est bien, ça. Démocratie, Rémi, hein. Et ouais. C'est beau. C'est assez égal, ouais, on peut dire. On va appeler ça de l'alpinisme moderne, parce que l'alpinisme n'est pas très démocratique. Hein. Quand même, c'est une poudre qui a été faite pour les obèses, pour qu'ils puissent maigrir, quoi. C'est un truc américain, quoi, dégueulasse. Ouais, tu vois. Ça s'appelle comment? D'une énergie diète, un substitut alimentaire. C'est le Slim Fast, quoi. Ouais, Slim Fast. On est de retour au Quin vers le lac du Pocori. Et bah, comme la dernière fois là, qu'on était monté pour s'acclimater, bah, il neige. Bah, normalement, il y avait un créneau là, plus ou moins aujourd'hui, demain. Et on a prévu de dormir là et de démarrer à peu près à 2h pour traverser le glacier en face et puis remonter la pente de neige qu'on devine à côté du drapeau à prière. Et voilà, on devait remonter cette pente et après démarrer la goulotte. Et on espérait aller à l'arrêt de la journée, ce qui n'était pas gagné. Et Rémi, c'est quoi le blême? Là, il neige, il a neigé un peu cette nuit là. Que faut-il faire? C'est chiant, ce genre de décision. Bon avec nous. A priori, elle disait quoi la météo? T'as fini de me poser question? Qui m'emmerde? Allô, la météo? Une bonne météo? Non, qu'est-ce qu'il a dit, Olivier? Allô, la météo? Il a dit que c'était bien, a priori. Olivier bosse comme un dur, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas la bonne météo. Allez Joe! Super Joe! Super! On vient de les terminer. Il nous reste à franchir ce mur. J'en chie un peu pour assurer. Je vais te dire. Environ 120 mètres, enfin du sommet. Du col qu'on a visé pour bivouaquer ce soir. Voilà. C'est un peu froid. Le versant nord est vachement austère, vachement froid. Pas un rayon de soleil de la journée. Mais c'est canon. C'est super dur à grimper. On a commencé ce matin à minuit, on est arrivé à 23h ici. Et on est où là? Là on est un col. Enfin, on a un col sur une arête qui va vers le Bocto. D'accord. C'est l'heure du petit déjeuner. Ouais c'est vrai. T'inquiète, je vais te le voir à bout. Une journée de 24 heures hier pour passer d'une traite la première goulotte. Du coup, on est un peu fatigué aujourd'hui. T'es couché à 2h, levé 6h. Et du coup, bah, on le sent un peu quoi. Et puis la difficulté, c'était plus dur qu'on pensait. Jusqu'à 600 glaces, du coup, ça nous a quand même entamé. Suite de l'arête qui nous attend. Bien déchenillé. Et il y a ces Rémi là qui vont bientôt pouvoir se présenter au championnat du monde de pentouse. À notre petit lac où on est parti avant-hier soir.
Voilà la vue du sommet 6040. Ça fait un plateau neigeux avec le sommet vierge juste en face de nous. On ira demain. C'est le troisième jour. Deuxième bivouac. 6040 mètres. La séquence intoxication en monoxyde de carbone. Voilà, dans la tente. Dans une tente de place où on tient à 3. Ça va, Rem? Ça va. Le soleil se lève. Ouais, le soleil se lève. Bon, moi j'ai les poudres diététiques et non gastronomiques. Les Slim Fast. Les Slim Fast. Et on fait de l'eau. Voilà, on fait de l'eau, 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 on fait de l'eau. Puis là on voit le sommet, a priori, vierge vers lequel on va. On sait pas comment ça s'appelle. Ah non. Et le lever de soleil, fabuleux sur les montagnes. Les cabourous là-bas. Bukto. Kanchenjunga, Janu, Sobitongi, Folépic, et après, je sais plus. Bonjour, là on roule. Au sommet de la montagne. Dis-moi. C'est un sommet vierge. Sommet vierge. Du massif du Bokto, on va dire. Après, on a fait 3 jours de grimpe. Voilà. Et sinon, ben, on va essayer de trouver une descente là-dedans. On n'a pas trop de photos, on a un peu une carte qui est pas terrible, mais ça n'a pas l'air trop pire. Ça a pas l'air pire. Le Bokto, c'est un sommet aussi qui est un peu complexe en termes de conditions météo, parce qu'il est, en fait, c'est le premier sommet au-dessus de la jungle, donc il est un peu sujet à prendre tous les nuages qui arrivent de la jungle avec l'humidité qui remonte. Mais en tout cas, c'est un coin qui est hyper sauvage et très peu connu. Enfin, en tout cas, beaucoup moins parcouru que certaines régions du Népal. Et pour nous, on était vraiment super contents de faire une expé dans un coin comme ça. Quoi. C'est offshore. Et donc là, la descente, elle nous a ramené dans une vallée derrière, vers son sud. Et on remonte à un col, là, il nous reste 100 mètres de dénivelé, qui s'appelle le Lapsangla. Et derrière, une vallée qui nous ramène directement à la maison. Pour la poule, on va péter la poule. On a commandé une poule. C'est sûr que de réussir la voie, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, en tout cas pour la poule. Donc la voie, on l'a appelée le snow léopard et la snow cougar. C'est un petit clin d'œil à la faune locale. Et donc c'est une voie qui était quand même relativement technique. Ça a des difficultés qui vont jusqu'à 5 plus 6 en glace. Donc c'était pas forcément si évident que ça à grimper, surtout à cette altitude et en face nord. Et nous, on s'est vraiment régalé pour nous. C'était vraiment une super voie. En France, ce serait vraiment une très belle voie. Hello Sangue. C'est Sangue, notre trekking guide, qui nous a emmené dans la vallée du Conche. Un super gars.